Sénégal. En bas, la vérité est que, parce que il y a une vérité qui est limpide, qui est fluide, qui est palpable, qui est touchante, qui est caressable, qui est flexible, qui est plusieurs. En vérité, il faut que je vous le dise, beaucoup d'artistes et chanteurs ivoiriens, comme influenceurs ivoiriens, font partie du club des Wubi. Ils entretiennent des relations avec des Wubi. Voici pourquoi beaucoup d'artistes ivoiriens, influenceurs ivoiriens, ne parlent pas dans cette affaire des Wubi parce qu'ils se font entretenir avec les Wubi. Oh. C'est pour ça, lorsque vous, la population ivoirienne, vous créez vos scandales, vous manifestez votre mécontentement, vous criez haut et fort que non au Wubitisme en Côte d'Ivoire, vous ne voyez aucun influenceur, aucun chanteur venir dire non, je suis contre les Wubi. Non, hein, parce qu'ils mangent la table des Wubi. Eh oui. Pendant ce temps-là, s'ils ont fait erreur, malheur de venir dénoncer, critiquer, vous me parlez des Wubi, Visa, Schengen, ils ne gagnent plus. iPhone, ils ne gagnent plus. L'argent, ils ne gagnent plus. Voyage, ils ne gagnent plus. Voiture, ils ne gagnent plus. C'est pour ça que plus vous criez. Non, Wubi, non, Wubi, non, Wubi. Il n'y a même pas un influenceur qui a ouvert sa bevata, qui a bevise pour parler. Ah bon? Ah oui? Ah oui. Mais si on avait dit sextape, ils allaient courir pour parler. Si jamais tu m'as plus nul. Si on avait dit concours, il y a des biscuits de mer, c'est fait larguer une fois de plus par Francis, il fait pas se prendre des cailloux. Tu vas voir, breaking news. Coco Emilia, c'est une femme de plus larguée par le vendeur de cailloux dit Francis Vemba, par beaucoup d'influenceurs. Ils allaient relayer, parler, parler, parler. Mais on dit Wubitisme, en Côte d'Ivoire, comme ils mangent la table des Wubi, et que c'est des Wubiens, ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche pour dire non et stop au Wubitisme en Côte d'Ivoire. Parce que eux-mêmes ils sont Wubi, ils mangent avec des Wubi, ils sautent avec des Wubi, ils mangent la chose des Wubi. Bon, Wubi t'as prêté, t'as dit que Wubi c'est pas bon. Va parler, ils vont te fermer après qu'on ferme moi. Ah oui. Arrêtez de demander où sont les influenceurs, ils vont pas parler, ils vont rien dire. Menez votre combat, si ça marche, alhamdoulilah. Bonne chasse. Oh, Nzambi. Ma gaffage de ma gaffage. C'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Sans oublier aussi que il y a beaucoup d'artistes qui deviennent Wubi pour percer. Parce que Joe, ça fait 100 ans de chantation, ils chantent, ça ne marche pas. Bon, un Wubi, la trappe qui a beaucoup d'argent, il dit, bon, viens te faire percer à condition que, ah, à Zaganawa, à Maïde, toi te courber là-bas. Donc, il a fait se courber dans la courbaison. Bon, et puis il a percé. Bon, il était Wubi pour obligation. Sinon, il n'est pas Wubi, hein. Mais il est Wubi dans la percance. Donc, il était Wubi pour percer. Vous voyez. Beaucoup d'influenceurs sont dedans aussi. Là, ils sont dedans. Oui. Dès les influenceurs maintenant, boum, 100 000 abonnés, ils pètent les scores de partout. Il est aux États-Unis, en France, il a un trouveur, il a vendu la maison. Vous pensez que ça sonne? C'est Wubi là. C'est de ça que vous parlez. Et puis, il y a des hommes mariés qui sont mariés légalement avec des femmes pour juste cacher leur affaire de Wubitisme. Voilà le mal est profond, d'une profondeur anale, dit le Seigneur des âmes. Population ivoirienne, ne comptez pas sur les influenceurs pour venir soutenir votre combat. Ils ne vont pas parler. Parce que les sponsors officiels, c'est Wubi.com. Bon, vous voulez quoi? Ils vont parler. Faites votre combat. Si ça marche, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, oh, alhamdoulilah. Parce que si tu comptes sur tes chanteurs, et même ils sont déjà, et même il y a une masse dans le Wubitisme, il y a une masse dedans. Influenceurs, ils dorment dedans. Si c'est sur eux, tu comptes. C'est donc ça les problèmes. C'est ça les problèmes.